Bonjour, Rush P50. Donc je suis un des artistes qui participe à l'exposition Bruxelles Graffitisme qui a lieu au centre-ville donc pour le moment du 15 au 25. Donc voilà, c'est une exposition qui regroupe cinq artistes Dextro, Axel, Xe, j'ai oublié quelqu'un, Soon et moi-même, donc Rush. On est ici pour un petit peu par rapport à l'art urbain, c'est Street Fusion qui organise en fait l'événement. Pour un petit peu promouvoir justement les graffeurs ou l'horizon un petit peu urbain, on va dire, de la ville de Bruxelles et de Liège, en Carxé et Liégeois. Donc voilà, l'idée ici un petit peu, c'est de passer du mur à la toile, un petit peu promouvoir ce qu'on peut faire, faire découvrir un petit peu nos passions au grand public. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu et avec grand plaisir, on peut vous accueillir pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je crois que c'est dû encore à, on va dire, les vieux clichés ont la peau dure. Maintenant, on arrive un petit peu dans une phase où l'opinion du grand public commence à changer parce que l'art urbain devient vraiment reconnu en tant que tel. On place même l'art urbain quelque part après l'art contemporain comme étant un mouvement à part entière. De plus en plus d'artistes de renommée sont connus et exposent dans diverses galeries, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou autres. Donc voilà, je crois que le graffiti tel quel est à distinguer de ce qu'on fait nous. Enfin, on est tous issus du graffiti à la base, donc on a nos origines qui sont là-dedans. Maintenant, il y a le graffiti en rue, il y a le graffiti sur toile, il y a la déclinaison artistique qui est liée à ça. Je crois que c'est plus un état d'esprit en fait qu'autre chose. Et bon, voilà, l'idée justement, c'est que le grand public voit qu'il y a différentes facettes sans cracher sur l'une ou l'autre. C'est quelque chose d'assez large. Voilà. Ben voilà, Dextro, Production 50. J'ai commencé à peindre en 93, d'abord par le graffiti. Donc, bref, du vandalisme en rue, etc., etc., tout ce qu'on a déjà dit. Et puis, petit à petit, ben, j'ai commencé à peindre sur toile. Comme ça donne un autre aspect de mon travail, on va dire, de peinture. Et ben, là, ici, voilà mes toiles que je présente pour cette expo du Bruxelles Graffitisme 2012. Ouais, mais ça, c'est les médias en fait. De base, je peux comprendre, voilà, quand on a un tag, on va dire, sur sa façade ou quoi que ce soit, bon, ça emmerde un peu les gens, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la recherche. Donc, même les gens qui font du vandal, il y a de la recherche, il y a de la recherche graphique, donc dans de la gestuelle, ils regardent quand même à faire quelque chose d'utile d'eux-mêmes. Et à la fin, certains, pas tous, mais certains, en fait, arrivent justement à devenir vraiment des artistes peintres, simplement, en fait, peintres urbains, mais simplement qu'on fasse un mur, qu'on fasse du vandale ou qu'on fasse des toiles, c'est la même chose, c'est imposer sa manière de peindre. Et c'est une incompréhension des gens, en fait, qu'ils ne comprennent pas. Avant, c'était plus des toiles de maître, où ils peignaient juste dans l'atelier, mais ils ne faisaient rien, ils ne faisaient aucune attaque en rue, ils montraient pas, ils n'imposaient pas aux gens. L'art du graffiti, c'est imposer aux gens. Comme même les toiles ici, voilà, moi, toutes mes toiles, j'impose ma manière de peindre aux gens, même si c'est dans un lieu, même si c'est dans un lieu d'une galerie, donc c'est un lieu, on va dire, officiel. Alors, moi, c'est Axel, peintre et écrivain en bâtiment. Alors voilà, on a participé donc à l'expo graphitisme qui regroupe cinq graffeurs. En fait, le but, évidemment, de présenter le graffiti sous une autre forme, autrement que les tags que beaucoup de gens n'aiment pas. Et voilà, le but est de montrer et de pouvoir s'exprimer plus profondément que via des tags ou des graphes. Mais je pense qu'on peut le considérer comme du vandalisme au point de vue, j'irais, juridique, etc. Maintenant, voilà, les jeunes qui font ça, et les gens qui font ça, parce qu'ils ne sont pas toujours jeunes, le font pour revendiquer, je dirais, un espace d'expression dans une société où on ne nous laisse plus nous exprimer. Et voilà, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir s'exprimer, je dirais, via des affiches, des campagnes publicitaires ou autres. Et voilà, nous, on a pris la place qu'on nous donnait pas. Et voilà, on essaye de l'utiliser au mieux et de revendiquer, je dirais, une liberté d'expression.